Facile, il va vous falloir de la semoule extra fine, de l'huile, du sucre vanillé, de la levure chimique, du sel, du lait et des raisins secs. Vous avez le détail des ingrédients juste en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Les amis, vous allez voir cette recette en accompagnement avec le thé, le café, vous allez faire des heureux. Donc là, on va commencer par mélanger toutes les poudres, donc à savoir la levure chimique avec la semoule extra fine et le sucre vanillé et ainsi que le sel, il ne faudra pas l'oublier. Une fois qu'on a mis tous ces éléments, on va venir ici mélanger. Donc on prend un fouet et on mélange toutes nos poudres. Rien n'est plus facile jusque-là. Ensuite, on va rajouter l'huile et on va venir donc sabler le mélange avec le fouet. Alors, huile ou beurre, vous mettez ce que vous voulez. Le beurre, ça marche très bien aussi. Là, on sable le mélange juste avec le fouet. Ah les amis, il faut absolument que je vous raconte l'histoire. Là, ça fait deux vidéos que je me fais avoir. À chaque fois, je vous dis que je vais vous raconter l'histoire. Et que chi, au final, rien du tout. Le rabinou, il oublie. C'est pas sérieux, ça. Donc là, on a mis donc, nos éléments secs avec l'huile. Et on va rajouter donc le lait. Donc c'est du lait demi-écrémé. Hein. Le lait écrémé, ça marche aussi, les amis. Hein. Et donc là, je récupère cette fois-ci la spatule et je viens mélanger le tout. Alors une fois que le mélange est bien homogène, on va pouvoir rajouter donc les raisins secs. Alors les amis, raisins secs, je ne les ai pas mis dans l'eau, donc à tremper. J'ai utilisé une autre méthode très efficace pour avoir donc des raisins secs bien bien moelleux. C'est un truc de dingue. Vous prenez une casserole, vous mettez un petit peu d'eau, vous déposez par-dessus une petite passoire ou une passette, ce que vous avez. Vous déposez sur la passette donc les raisins secs, vous recouvrez d'une assiette et vous laissez comme ça bouillir pendant environ 3 minutes. Ça va cuire à la vapeur. Je n'ai pas dit les raisins dans l'eau. Les raisins dans la couscoussière ou la passette ou la passoire pour les cuire à la vapeur, les amis. Et là, au bout de d'environ 3 minutes, vous allez voir, ils seront hyper moelleux, ils seront nickel. Donc là, je verse tous les raisins à l'intérieur et je viens avec ma spatule mélanger le tout. Je sens, les amis, qu'on va se régaler. Ouh là là là. Alors, ici, vous récupérez votre poêle, vous mettez une lichette d'huile, hein, très peu. On va venir avec le papier absorbant, répandre un petit peu d'huile partout. Ici, je récupère donc une louche de pâte. Hop là, bismillah les amis, on met ça dans la poêle. Attention, le feu ne doit pas être trop fort les amis. Hein. Là, on est sur un petit feu moyen. Et là, on va cuire donc nos galettes tranquillement. Hein. Les amis, il va falloir être délicat parce que là, j'ai pris une poêle qui est assez haute. Donc, je vais être embêté pour la retourner, mais ne perdons pas espoir. Si vous avez une poêle qui est plus fine, ça sera beaucoup plus facile. Donc là, je ne vais plus parler. Bismillah, je retourne ma galette. Waouh! Oups là! Ouh, j'ai réussi. En fait, ce que je vous disais, si vous avez une poêle qui est fine, c'est plus facile à retourner les galettes. Là, il y a de la hauteur en fait. Donc je suis obligé de faire des cascades pour retourner ma galette. Mais là, je vous garantis qu'elle est géniale. Donc on laisse cuire l'autre face tranquillement, les amis. Oh là 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 là! Les amis, vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3. Oups là! Petit démoulage! À la rabinou, oh oh. Allez, je mets ça sur une grille et je continue donc à cuire mes galettes. Par mesure de précaution, je vais quand même remettre un petit peu d'huile parce que les amis, cette poêle, je lui fais pas entièrement confiance. Elle pourrait me la faire à l'envers. Allez, c'est reparti. Je prends une louche de pâte et ensuite, promis, je vous raconte ma recette. Je vous raconte mon histoire. Allez, rebismillah les amis. J'étale la pâte et j'allais cuire tranquillement. Donc là, je suis sur 3. C'est un petit feu moyen. Attention, ne cuisez pas trop fort. Les amis, regardez-moi ces galettes de compétition. C'est un truc de dingue, les amis. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Rosalie, Asma, Kauta, Pamela, Audetan, Khalida, Amira, Malika, Dominique et dédicace spéciale pour le Sénégal parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Là, j'ai regardé sur mon tableau de bord, vous êtes arrivés en masse, vous êtes très très nombreux à suivre mes vidéos et ça me fait énormément plaisir. Donc grosse dédicace au Sénégal et les prochaines vidéos, je vous ferai d'autres dédicaces, donc certainement le Maroc, l'Algérie, il y a la Belgique aussi qui me suit, la Côte d'Ivoire, c'est un truc de dingue les amis. Il y a le Maroc aussi, je suis vraiment très très content, merci les amis. Donc là, on va couper donc, la galette en deux pour voir un petit peu à l'intérieur.
Alors, bismillah pour la coupe. On va dire bismillah. Voilà, bismillah. Avec l'accent, hein, les amis? N'est-ce pas, les amis? Allez, je vous montre l'intérieur. Regardez-moi ça. Ça, c'est gourmand, ça. C'est un truc de dingue. Donc, oula, je vais le remettre en place. Voilà. Donc, je vous montre ça de près, les amis. Regardez-moi. C'est incroyable. Avec le thé, le café, c'est original. Alors les amis, comme d'habitude, hein, si vous réalisez donc la recette, filmez-la et envoyez-moi ça sur ma page Facebook. Ça va vraiment me faire plaisir, les amis. C'est succulent. Donc moi, en fait, ce que je vais faire, quand je vais couper la vidéo, je vais me servir une infusion bienfaisante. Vous avez la vidéo donc sur ma chaîne. Dedans, il y a de l'eau, du curcuma, du poivre, de la cannelle et du gingembre. Je peux vous garantir qu'avec ça, vous allez péter la forme. C'est un truc de dingue. Donc les amis, on se retrouve bientôt sur ma chaîne Cuisine Rapide. Bye bye! Les amis, oups, il me semble que j'ai failli oublier mon histoire. Je vous la raconte tout de suite. Alors, Serabinou, il avait entre 7 et 9 ans. Il était tout petit et ça se passait dans le Gers, à Condom, donc au fin fond de la campagne. Donc maintenant, j'ai eu une collègue qui m'a, enfin une abonnée qui m'a écrit et qui m'a dit que Condom, c'était une ville. C'est une ville. Oui, effectivement, maintenant c'est une ville. Mais à l'époque, c'était un village. Donc, en fait, à Condom, donc là où j'habitais, il y avait un marché tous les mercredis et le samedi en plein centre-ville. Et là, tout le monde se croisait, tout le monde se connaissait. C'était un truc de dingue. Et moi, ma mère, elle me trimballait là-bas. Mais je détestais y aller. Pourquoi? Parce que ma mère, à l'époque, elle et ses copines, elles s'habillaient d'une manière. Mais c'était folklorique, quoi. C'était vraiment le carnaval. Alors, elle mettait des... Me laissez pas tout seul, hein, dans cette galère. Hein. Si vous avez vécu la même chose, dites-moi ça en bas dans les commentaires. Donc, elle mettait une robe, une jupe avec des fleurs, enfin, du tournesol, je ne sais plus ce que c'était, des marguerites. Il y avait du rouge, orangé, du bleu. Alors là, si tu te perdais au marché, tu étais sûr de retrouver ta mère. Il n'y avait pas de problème. Donc, en fait, bon, jusque-là, ça va. Le pire, c'est qu'elle croisait ses copines au marché. Et là, il y a toujours dans ses copines une dame que je ne voulais pas voir parce que c'était la commère du village. Elle avait toujours un truc à raconter. Et là, bizarrement, ma mère, elle arrive au marché. Elle n'a rien acheté encore. Elle se promène pour l'instant. Elle rencontre cette dame. Cette dame a déjà rencontré plusieurs personnes. Ils ont formé un petit groupe en plein milieu du marché. Donc le rabbinou, il s'est mis vraiment à l'intérieur pour être caché, pour pas que mes copains me voient. Et là, il y a la dame, la commère du village, qui était très gentille. Mais c'est une dame qui était au courant de tout. On se demandait des fois si elle n'inventait pas des histoires. Donc à l'époque, il n'y avait pas d'internet, pas de. Enfin, il y avait le téléphone, mais bon, ça coûtait cher, quoi. Appeler le Maroc ou l'Algérie ou la Tunisie au téléphone, ça coûtait bonbon. Et donc cette dame-là, elle avait toujours une histoire à raconter. Elle disait à ma mère et à ses copines: écoute, la fille d'un tel, qui est la cousine d'une telle, machin, chouette, on ne savait même pas qui c'était la personne, va se marier ce week-end. Et là, dans le souk, alors là, c'était les youyou, c'était concours de youyou, hein, celle qui criait le plus fort. Mais le pire, c'est que quand ils faisaient leur youyou dans le marché, mais les gens ils s'écartaient, ils se demandaient ce qui se passait. Il y a même des vieux, ils étaient prêts à appeler le SAMU parce qu'ils croyaient qu'il y avait des personnes que ces personnes-là faisaient des crises d'épilepsie. Maintenant, le youyou, c'est un petit peu rentré dans les mœurs, tout le monde connaît. Mais à l'époque, je te jure que personne ne connaissait. J'avais même des copains qui se foutaient de ma gueule quand j'allais à l'école, surtout quand la kermesse approchait, ils me disaient: mais tu vas te déguiser comment aujourd'hui, en cow-boy ou en indien? Parce qu'en fait, les youyou, pour eux, c'était les cris des Apaches dans les films de western. C'était un truc de dingue, de dingue, de dingue. Alors, voilà, expliquer à l'époque aux papys, aux mamies ce que c'est que les youyou en fait. C'était vraiment un truc de dingue. J'avais même un pote, moi, quand j'étais petit, il me dit: mais c'est bizarre, vous. On n'est pas bizarre, c'est notre culture qui est comme ça, et puis voilà quoi. Ouh là là, les Ah oui, amis. j'oubliais, les amis. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, les amis.